Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo unboxing. Et ça faisait quand même quelques temps hein, maintenant. Vous me retrouvez avec une tête un peu différente. Pas de bouclette aujourd'hui. J'ai décidé de pas mettre de produit boucle sur mes cheveux, de les attacher et de mettre ce petit turban. Et alors je sais pas si vous trouvez que ça m'ira bien. Peut-être qu'il faut que je rajoute des grosses boucles d'oreilles, histoire que ça mette un peu de volume par ici. Ça me fait tout bizarre parce que j'ai toujours du volume sur mes cheveux et là y a rien, donc ça me fait tout bizarre. C'est un turban de la marque Indira. Ils m'ont contacté sur Instagram, c'est vrai que je les suivais déjà depuis très longtemps. J'avais vu que c'était un peu tendance et c'était prôné par pas mal de youtubeuses boucles. Et du coup j'avais suivi un petit peu ce qu'ils faisaient et tout, et c'est vrai que c'est sympa. Il y a plein de façons de le faire, vous pouvez aller découvrir hein, sur le site Indira. Là ils nous envoient dans le sachet. Donc c'était dans une sorte de petite lettre, pas bulle, mais une grande lettre, hein, c'est tout léger à envoyer. Hein, et ils vous mettent un petit tuto. Donc et sur le Instagram de la marque, il y a plein de petits tutos aussi, c'est trop sympa. Donc après vous pouvez mettre de la façon que vous voulez. Regardez là, la fille elle a ses cheveux hein, qui dépassent et tout, donc c'est vous qui voyez. Et écoutez, c'est une première, vous me direz ce que vous en pensez, c'est peut-être un peu... Ça change, hein, il faut s'y faire je crois. Vous me retrouverez avec des photos peut-être sur Instagram, histoire de vous montrer si j'arrive à faire différents looks, que je dompte un peu le truc, mais ça me fait penser aussi à ma copine Mon Ange, qui met souvent des turbans comme ça. Donc elle en a des très beaux d'ailleurs, hein, ma petite Marie-Ange, si tu passes par ici, fais-nous un petit coucou dans les commentaires, et puis bah vous pouvez aller la suivre et voir... Elle en a toujours des beaux, et peut-être que ça me donnera envie d'en avoir d'autres plus wax, plus africains, parce que j'adore hein, le tissu wax, donc... Pourquoi pas. Je vous retrouve du coup pour le gros colis et c'est un colis Les Victoires de la Beauté. Vous savez que tous les ans je suis invitée habituellement aux Victoires de la Beauté. C'est une sorte de bilan annuel avec tous les produits qui ont été tendance et testés par des testeuses et validés. Et du coup ce sont les produits élus Victoires de la Beauté de l'année. C'est ce fameux petit logo là que vous retrouvez sur certains produits. Et écoutez, comme cette année on n'a pas pu faire de soirée, etc. Une invitation, d'habitude on a une invitation à Paris, dans un grand monument de Paris souvent, de l'ambiance, voilà, c'est un peu sympa. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on l'a pas malheureusement. Du coup ils m'ont tout envoyé par courrier et c'est trop adorable de leur part. Donc je remercie vraiment Les Victoires de la Beauté pour ce colis énorme. Ça va me permettre de découvrir tous les... produits qui ont été prônés, qui ont été récompensés donc en 2022, donc c'est trop bien, c'est ouais, bien protégé. Et ah ouais, trop cool. À l'intérieur en fait du colis vous avez le fameux sac qu'on reçoit d'habitude à la soirée. Bon, j'en ai mis partout autour de moi, il y avait des petits zigouigouis là en polystyrène. Donc à l'intérieur je vois qu'on a un petit sac là comme ça, un petit vous savez les sacs comme ça personnalisés, donc ça doit être une des marques Aircare. Je connais pas cette marque déjà, je sais pas comment ça se prononce. Donc il y a des produits pour les cheveux on dirait. Oh, il y a trop de choses là. Ouh. Alors il y a à l'intérieur un baume corps, aloe vera, beurre de karité bio, body balm de chez Berdwes. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça a l'air très sympa ça. Les beurres pour le corps, moi j'adore. Et alors ils disent que c'est une nouvelle formule. On va quand même l'ouvrir. C'est un gros cache comme ça. Ah, l'odeur c'est un peu fleuri, c'est pas les odeurs que je préfère, mais la texture a l'air super crémeuse, entre le beurre et le lait ça a l'air très intéressant, donc ça, ça me plaît bien et c'est d'origine 98% d'origine naturelle, emballage 100% recyclable, fabriqué dans le sud de la France et formule vegan, donc très sympa. Deuxième produit de la marque Antibiome, ça a l'air d'être un soin lavant hygiène intime avec un complexe de prébiotiques, prend soin du microbiome intime. Bon bah je connais pas, écoutez, un sans savon, agent lavant doux, d'origine végétale, 100% produit recyclé encore une fois. Donc je sais pas si vous voyez, hop, Antibiome, bon, pourquoi pas, bon ça c'est un produit qui servira hein. Ah, ça doit être ça, la marque In, donc avec le sac, c'est In Hair Care, complément alimentaire à base de plantes, vitamines et minéraux pour les cheveux. Donc c'est des petites gélules comme ça à prendre qui renforcent la croissance et le renforcement des cheveux, donc favorise la croissance pardon et renforce les cheveux à base de zinc, de sélénium, de vitamine B8 qui contribue au maintien de cheveux normaux. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, moi j'ai une touffe de cheveux donc j'ai pas forcément besoin de compléments alimentaires, mais pourquoi pas. Et là je vois qu'il y a encore une deuxième de la même marque et cette fois-ci complément alimentaire à base de roquette, de zinc et de biotine. Et alors à quoi ça sert cela? Qui renforce la croissance et la fortification des cheveux.
Bah c'est plutôt cool, ça je vais voir si je les utiliserai ou pas. De toute façon retrouvez-moi sur Instagram, parce que s'il y a des choses que j'utilise pas, je vous les mettrai dans un beau concours. Ça, on a aussi la marque comme ça avec des gommes à manger, de la marque La Chile. La Chile, c'est la gamme Good Hair, donc encore une fois pour les cheveux, à base de vitamine Boost, biotine, vitamine B6 et zinc, cheveux sublimes. Alors ça j'en ai déjà eu, je crois, de la marque, est-ce que c'était la même marque, je pense hein. C'était pour le détox, j'ai pas été plus intéressée, mais pourquoi pas, pour des cheveux plus beaux et plus longs. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. On a, oh trop bien. Alors ça m'étonne pas que ce soit élu Victoire de la Beauté. Je suis trop fan de la gamme Les Secrets de Loli, hein, vous le savez, je vous en parle tout le temps sur Instagram. Là, j'ai voulu faire une pause pour mes bouclettes parce que j'ai plus beaucoup de produits, je vous avoue, et que je dois en racheter. Mais c'est ma routine cheveux bouclés préférée. J'en ai testé plusieurs, mais c'est celle-ci quand même que je préfère. Et là, c'est la gelée capillaire, la gelée barrière. Ils appellent ça bouclier anti-déshydratation. Moi, j'en remets une petite goutte tous les matins quand j'ai pulvérisé d'abord de l'eau sur mes boucles, et après je mets ça dessus pour voilà, avoir de jolies boucles toute la journée. J'adore ça, je valide. Effectivement, pour moi c'est un produit élu pour l'année, pour moi aussi dans mon petit cœur. Ensuite on a un produit Elemis Pro Collagen Marine Cream, donc une petite crème de cheveux comme ça. Elemis, je sais qu'Elemis c'est une marque anglaise qui est très connue et qui vaut cher et qui est très réputée. Bon, c'est pas ma crème préférée, mais pourquoi pas, on va tester à l'occasion. On a un produit Anne-Marie Borling, donc c'est une marque que j'ai découvert grâce aux Victoires de la Beauté d'ailleurs. Et là on a un produit qui améliore l'élasticité de la peau à base de collagène. Ils appellent ça comment ? Tonifie, renforce, hydrate, un collagène naturel. Et là ça s'utilise matin et soir sur une peau nettoyée, tonifiée, puis appliquer si besoin une crème de jour et de nuit. Donc c'est avant, c'est pas mal, c'est pas mal. Intéressant ça. On a un autre produit qui est un nettoyant visage, un démaquille nourri. Respecte le microbiote cutané de la marque Demain. Ça c'est plutôt sympa aussi, ça c'est un produit que je vais utiliser. Alors le format il a l'air un peu particulier quand même. Vous savez, en mode aluminium comme ça, gros tube de dentifrice. C'est vegan, ça a l'air pas mal, made in France et tout. Donc là on a des produits avec des bonnes compos et made in France. Ah, j'ai un produit en ce moment dans ma routine que j'ai eu sûrement en Victoire de la Beauté d'ailleurs, de la marque Condensée, c'est le fluide raffermissant Boost. Moi le mien c'est un sérum pour le visage, là c'est cool, en plus c'est pour le buste, j'ai dit Boost, n'importe quoi. Donc c'est pour le buste et là c'est trop trop bien pour raffermir un peu cette zone là, nickel, ça je vais utiliser. On a un tout petit produit comme ça, Innocence, ma crème hydratante, protège, purifie, matifie. Alors moi j'ai pas besoin de matiter, de la marque Éclaé. Ça c'est pas un produit que j'utiliserai, non c'est pas la marque Éclaé. C'est la marque Innocence, je sais pas trop la marque là. Mais en tout cas ça fait partie du groupe Éclaé. Ah trop cool, on a un parfum je pense, Solinote, vous savez, alors ça c'est parfum, je les adore. Et là c'est un, alors qu'est-ce que c'est, coton, on va chercher l'odeur. Coton, mais c'est trop bien ça, c'est genre les odeurs que je kiffe. Ça se présente comme ça, c'est un grand format quand même hein, 50 ml. Et alors on va tout de suite pulvériser dans le sac parce que j'ai déjà mis du parfum ce matin donc Ah ouais, oh là là. Et ça, ça va me servir en brume d'oreiller, je vous le dis tout de suite. Quand je fais mon lit le matin, j'adore utiliser ce genre d'odeur un peu coton, un peu toute douce là, pour mes oreillers. Comme ça, quand je vais me coucher le soir, ça sent bon là. J'adore, mais ça c'est coup de cœur quoi. Oh là là, ils sont tellement bons. Bah, vous pouvez vous le pulvériser aussi sur vous, mais moi je préfère sur mes oreillers et ça aussi sur mon peignoir avant de, en sortant de la douche, c'est juste trop bien. On a un autre produit de la marque Condensée, donc on avait tout à l'heure le buste, et là on a cette fois-ci un baume Hydra Aromatique Rose Active, donc je pense que c'est un baume pour le visage ça. Belle histoire de rose au pouvoir surprenant, active pour les beautés de notre peau, appliquée sur l'ensemble du visage et du cou, matin et soir, après avoir soigneusement nettoyé votre peau. Bah tiens, je pourrais peut-être l'inclure dans ma routine, puisqu'en ce moment j'ai le sérum de cette marque-là, pourquoi pas mettre cette crème-là ensuite. On a un autre produit condensé, et bah écoutez, je vais pouvoir faire une big routine, et là c'est encore un sérum, mais celui-ci ne va pas être pour moi parce qu'en fait il est pour les peaux grasses à imperfection, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi j'ai la peau sèche, normale à sèche, donc ça va pas être pour moi, c'est dommage, mais je pourrais vous le faire gagner, ça va me faire plaisir. Ça c'est trop cool parce que c'est vraiment une très bonne marque et un très bon produit, hein. Moi j'ai la version normale que j'adore. On a un baume douceur lèvres rouge intense, donc celui-ci aussi je l'ai déjà, je l'utilise d'ailleurs très souvent. Je vous le montre, hein, c'est une sorte de stylo, mais qui fait un effet baume et qui est rouge, un peu comme la couleur que j'ai sur les lèvres. Et je l'aime beaucoup, c'est vrai que je le mets régulièrement à l'école et tout, il est très pratique. Et on a un produit Garance, donc c'est trop cool ça, un double sérum éclat jeunesse, booster de vitamine C, essence plus huile sèche. C'est un 2-en-1 en fait à l'intérieur. Ah ouais, c'est mélangé. C'est un produit pipette et vous avez en bas l'essence et au-dessus l'huile sèche.
Et je pense qu'il faut mélanger avant de le mettre sur votre visage. Comme ça vous avez deux en un. C'est plutôt sympa ça, un produit garantiel, c'est trop cool. Encore un produit condensé, mais ça a été le succès chez Condensé. Un masque Hydra Éclat Rose Active, donc dans la même gamme que tout à l'heure avec la crème. Donc là on a le masque à faire avec, donc c'est trop bien. On a des petits échantillons comme ça de la marque Innocence là, un baume nettoyant visage, un masque détox et une crème hydratante. Ça c'est cool pour emmener en voyage quand on part une nuit quoi. On a tout d'un coup là. Et on a un produit qui était dans une enveloppe bulle. Est-ce que c'est pas une huile ou quelque chose? Ah ouais, c'est une huile Embryolisse qui est une huile un peu 3 en 1. Visage, corps, cheveux, huile de beauté aux 4, huile végétale, karité, grenade, citron, abricot. Je sais plus si je l'ai celle-ci parce que j'en ai une de cette marque-là que j'aime beaucoup. Je vais vérifier. C'est trop cool parce que ça, c'est vraiment celle que j'ai. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, si c'est la même, on verra ce que j'en fais. Bah, vous suivez ça sur les réseaux. Mais je l'aime déjà beaucoup. Bah, écoutez, ce sac est vraiment, vraiment pas mal. Hein. C'est un beau cadeau de la part des Victoires de la Beauté. Ça va me permettre de découvrir encore plein de choses. J'ai craqué sur Beauty Bay et du coup, je vais vous montrer mes petits achats. Je devais recevoir des produits de la marque. En fait, Beauty Bay devait m'envoyer la palette, la dernière palette qui est sortie, Love Note. Mais comme je n'ai pas eu de nouvelles de leur part et que je n'ai pas eu non plus le colis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, quand j'ai passé ma commande pour d'autres articles, je l'ai glissé dans mon panier. Au pire, si je la reçois une deuxième fois, bah, je vous l'offrirai hein, sur Insta. Mais moi j'ai fini par me l'acheter parce que je voulais pas la laisser passer. Donc celle-ci vous l'avez vu passer sur les réseaux hein, je pense, si vous suivez un peu les vidéos beauté. Elle est trop jolie, moi je les aime beaucoup ces palettes là Beauty Bay, je les ai toutes hein. Donc celle-ci je devais de la prendre. J'ai vu d'ailleurs plein de beaux swatchs de la part d'Ella Rayon de Soleil sur son Insta. Et je me suis dit waouh, les swatchs m'ont conquise encore plus. Comme ça c'est quand même des tons froids. Il y a des jolies roses, des jolies nudes. J'ai hâte de la tester pour voir ce que ça va donner. Les violets en ce moment j'ai pas envie d'en utiliser, je sais pas pourquoi mais peut-être plus tard. Donc ça je vais quand même la glisser dans ma routine pour pouvoir la tester. Vous allez voir dans mon colis Beauty Bay, il y a que des palettes hein. J'ai acheté la fameuse palette Hakuna Matata de chez Makeup Revolution. Je la voulais, je vous avoue que je l'avais vue sur certaines chaînes et je me suis dit ah les couleurs elles me plaisent. Et en fait en vrai, bah elle me plaît pas trop. C'est ça, des fois je me suis fait avoir par le côté YouTube et tout. Bah, j'arrive pas à enlever le plastique. Bah, elle est belle, hein, je dis pas ça, hein, mais peut-être que là pour la saison, bah, ça, finalement ça me plaît plus. Mais en tout cas, je la trouvais super belle sur YouTube et tout. Les swatchs et tout me plaisaient bien. Je vais quand même la tester et tout hein, parce que bon, peut-être que je vais me dire au final en la testant, elle va conquérir mon cœur. Mais c'est vrai qu'en la voyant en vrai, je me suis dit oh, oh, oh. En tout cas, elle est quand même super sympa, il n'y a rien à dire. Et dans mon colis Beauty Bay, il reste deux palettes dans leur dernière collection. Moi, j'ai pris la taille moyenne parce qu'ils ont fait toute une collection où il y a des petites, des moyennes, des grandes. Donc, j'ai pris dans les tailles moyennes et j'ai pris la fameuse, j'étais obligée, la verte. Hein, parce que celle-ci, c'est celle qui me faisait tellement envie. Alors, il y en a dans les tons roses, dans les tons violets, enfin, il y en avait plusieurs. Hein, mais c'est celle-ci que je voulais absolument. Elle est tellement belle, j'aime tellement le vert. D'ailleurs, avec ce genre de tenue, du vert aussi, ça aurait bien, ça aurait été trop beau. Et voilà, les fards Beauty Bay, il n'y a rien à dire, hein, ils sont trop beaux. Si je peux, je vous inclurai quelques swatchs et tout pour vous voyez un petit peu le rendu. Mais et celle-ci, je l'ai eu gratuite en fait dans mon colis. Je pouvais demander un produit, enfin je crois que c'était deux produits achetés Beauty Bay, le troisième gratuit. Donc c'est celle-ci, on va dire, qui était gratuite. Et j'ai pris dans les tons nude parce qu'en ce moment aussi, j'aime beaucoup le nude. J'aime beaucoup le vert, le nude. Donc j'ai pris celle-ci aussi dans les tons nude qui est trop belle. Et elle s'appelle Nude, tout simplement. Pour info, hein, sur Beauty Bay, c'est hyper bien protégé. À chaque fois, il y a du papier bulle à l'intérieur des cartons pour éviter que les palettes se baladent et que ça se casse. Et ils ont aussi hyper bien protégé le colis. Je vous mets évidemment, comme d'habitude, tous les liens dans la barre d'infos. Et j'ai reçu un colis d'une agence de presse qui m'avait proposé cette collab il y a pas mal de mois. Mais j'ai jamais reçu leur colis. Donc, ils me les ont renvoyés. Et c'est en partenariat avec les Miraculeux. Et ce sont justement des compléments alimentaires en forme de gomme là, vous savez là, que vous mangez comme un petit bonbon. Et ceux-là, je les ai testés, la version sommeil, je les ai testés pendant 2 semaines je crois. J'avais des problèmes de sommeil au moment où je les ai testés et ça marche super bien. Alors en ce moment, comme je suis en carence en fer, j'ai pas de problème de sommeil, hein. Je suis tellement KO le soir que je dors direct. Mais en tout cas, quand je les avais testés, c'était à peu près en décembre et j'ai adoré. Je vous en avais parlé sur Instagram, je crois, en vous disant que c'était top. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein, mais c'est 2 gummies par jour. Du coup, vous les prenez 30 minutes avant de vouloir aller au dodo et ça fait un effet quasi immédiat. Moi, je trouve ça trop bien. Donc ça, c'est pour le sommeil. Je vous les conseille à 100% si vous avez vraiment des soucis de sommeil. Moi, j'ai adoré. Ils sont très bonnes en plus d'ailleurs, au passage. Enfin, en tout cas, celles-ci sont bonnes, elles sont à la mûre.
J'ai demandé à la marque donc de découvrir celle pour le soleil, comme ça là dans les prochains mois je vais pouvoir les tester. Donc autobronzant et préparation au soleil, pareil je pense que c'est 2 par jour. Donc ça c'est cool, je vais les tester prochainement, je vous en reparlerai hein. Ils ont tout un... c'est vraiment une marque que de gummies, hein, de gomme comme ça. J'ai pris pour la beauté, beauté des cheveux, beauté des ongles et de la peau, à base de biotine, acide hyaluronique, vitamine C et zinc. Et celui-ci, il a une goût framboise. Et d'ailleurs, celui-ci, il avait quel goût? Il n'y a pas écrit. Alors celui-là, ça va être un autre goût. Hein. D'ailleurs, sachez que c'est vegan, réduit en sucre. Hein. Il y en a d'ailleurs qui sont sans sucre, hein, si je me souviens bien. L'emballage est recyclable, évidemment. Donc ça aussi, c'est 2 par jour. Donc ça, je vais le tester aussi dès maintenant. Et le dernier pour la digestion, parce que j'ai toujours des problèmes de digestion. Donc là, c'est facilite la digestion et favorise un bon transit intestinal à base de plantes et de ferments lactiques, goût litchi pomme. Et pareil, 2 gummies par jour. À l'intérieur, vous avez du carvi noir qui aide en cas de sensation de ballonnement, le fenouil qui est reconnu pour faciliter la digestion et pour contribuer à un confort digestif et pour favoriser un bon transit intestinal. En revanche, je sais pas si je dois prendre le matin ou au milieu de la journée, c'est pas écrit, mais écoutez, ça j'ai trop hâte de tester. À part celle-ci, je vais pas les prendre tout de suite, je vais les prendre je pense vers le mois de mai-juin, les autres je vais les tester rapidement. Chez Action, j'ai trouvé ça, du coup je vous le montre là, hein, mais j'ai trouvé un petit bronzer, il a l'air hyper lumineux. Hein. Je pense que je vais le tester très prochainement et je vous en reparlerai sur Insta s'il vaut le coup ou pas, on verra. J'ai reçu des bijoux et vous savez que c'est rare que je vous en parle, mais quand j'en parle, bah, ce sont des bijoux qui me plaisent. J'ai vu passer énormément la marque Ana Luisa, hein, vous l'avez vu sûrement passer plein de fois sur plein de chaînes YouTube, hein, ils sont à fond dans les collabs en ce moment. Et j'ai reçu 3 petits articles de la part de la marque. Je vous avoue que j'ai choisi tout un panel de petites choses et celui-ci je pense que je vais le garder pour ma fille, hein, mais chut, c'est celui-ci, il est pas trop mignon. J'hésite, hein, mais pour moi ou ma fille, puisque notre prénom commence par un K, ça ira très bien, je suis trop contente, parce que c'est très mignon. En revanche, c'est extrêmement petit, hein, vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est tout petit, mais je vous avoue que ça a l'air hyper quali. C'est dans des petites pochettes très mignonnes, hein, vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, petite pochette verte avec des petits aimants, là, comme ça, pof pof, qui marchent très bien. Enfin, un petit cadeau, c'est hyper sympa. Après, j'ai choisi des petites boucles d'oreilles. Hein, et pareil, il y en aura une paire pour ma fille, une paire pour moi. Celles-ci, elles sont pour moi. Donc, je pense que je vais me les mettre tout à l'heure. Hop, avec une petite étoile ici, une petite lune ici. C'est des petits ronds. Et il y a des petits strass partout, vraiment. Le mot petit est au... Je fais que de l'utiliser, je suis désolée. Mais j'aime beaucoup celle-ci. Les dernières, pof, j'ouvre avec vous. Et les voici. Et celle-ci, je pense que ça sera pour ma fille. Avec des tout petits cœurs. Elles sont trop mignonnes. Alors ça, je vais lui mettre pendant les vacances pour éviter tout risque à l'école, pour pas qu'elle soit arrachée et tout. Mais j'ai trouvé trop mignonne là, vraiment parfaite pour elle. La Cali a l'air top top, je trouve. J'ai reçu aussi 2 box. Je vais vous les montrer ici pour cette fin de vidéo. La box My Little Box. Vous savez que je l'aime beaucoup en ce moment. Et j'ai reçu la Beautiful Box. D'ailleurs, elle est tout à fait dans le thème de ma classe parce qu'en ce moment, on est en plein dans le jardinage. Passion, faire chou blanc. C'est très sympa. Et alors on a une petite cagette. Non mais je vous jure, hein, je ne rigole pas. Une petite cagette pour... c'est trop mignon, mais c'est trop une bonne idée. Non mais encore une fois, My Little Box, il déchire quoi. Regardez-moi ça. Pof, je vous montre de près. Je vous mets évidemment les liens en barre d'infos. Je crois que j'ai une réduction de 5 €, hein, puisque je suis en collab avec My Little Box. Et honnêtement, je ne les remercierai jamais assez de recevoir cette box qui est une de mes préférées. On a reçu un produit Davinette. En revanche, ça, je suis pas contente parce que je le reçois tout le temps dans la Bissime et... C'est un conditionneur, donc c'est un après-shampoing hydratant pour cheveux secs et desséchés. Bon, c'est pas mal, il s'appelle Momo, tiens, de la marque Davines. Bon, pourquoi pas, ça servira pour ma fille, encore une fois. On a un petit pochon, et alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, trop cool! Ça, c'est hyper tendance en ce moment, la crème gélifiée teint éclatant à base de fleurs de cerisier de la marque Innisfree. Innisfree, donc c'est une marque que vous trouvez sur Sephora, sur le site aussi dont je vous parle tout le temps, Stylvana. Donc c'est plutôt sympa, c'est une des nouveautés. Oh, trop bien! On a une mousse nettoyante pour le visage en mini format comme ça de chez Origins. Et ça, je l'ai déjà testé chez ma copine Ella Rayon de Soleil et je l'ai adoré. Et pour finir, on a un stick à lèvres au calendula comme ça de la marque Bioron. Donc ça, c'est très bien, ça c'est... C'est du basique, quoi, on va dire. C'est pas la révolution, mais c'est pas mal du tout. Et alors là, ils nous disent 99,9% d'origine naturelle. Avec ça, évidemment, on a une petite spoil pour le mois de mai. Et on a un grand produit comme ça. Arrosoir, gourde pour arroser son jardin et ses idées. C'est sympa, ça.
Le packaging est top, hein, rempli de petits légumes. Je sais pas si vous voyez là, il y a des petits légumes partout. Et alors voyons voir la tête de l'arrosoir. Ah mais c'est pas un arrosoir en fait, c'est une gourde. Mais une gourde un peu sympa quoi. Elle est trop originale, toute verte comme ça. Évidemment on peut l'utiliser pour arroser ses plantes, hein, mais on peut l'utiliser pour boire aussi. Bon, j'arrive pas trop. Ah, si, là c'est bon. J'ai réussi à le fermer. Pas de catastrophe. C'est pas mal du tout. Vous pouvez du coup l'accrocher à votre sac et tout. Là, il y a un petit embout silicone pour éviter que ça glisse des mains ou que ça tombe et ça se casse. C'est pas mal. Écoutez, cette box, je la trouve très sympa. Il n'y a pas de coup de cœur de fou, mais les produits me plaisent. Et le petit goodies, les deux petits goodies avec la petite cagette, ça me plaît énormément. La Beautiful Box est très jolie, je sais pas si vous voyez bien les reflets et tout. 100% visage, cosmé bio, donc c'est pour ça qu'il y a un petit visage dessus. Très sympa le design. Ouh, je vois qu'il y a du maquillage, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a de beau alors? Alors, crème hydratante 24 heures par jour, hein, une crème hydratante pour la journée. De la marque Gorgée de Soleil, c'est sympa ça. 98% d'origine naturelle, aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale, fabriqué en France. Le packaging me donne envie là, très estival. Un gel nettoyant de la marque LM Bio, à l'extrait de pamplemousse, donc ça peut être frais, ça c'est pour les beaux jours, je vais le garder pour cet été ça. Hop, le voici le petit format, enfin plutôt gros format d'ailleurs, hein. C'est un 100 ml. Pour faire nos petits soins, on a un petit bandeau, tout rose, et ça c'est trop sympa ça. Petit bandeau à scratch comme ça, paf, vous mettez comme ça, pouf, moi il y a déjà mon bandeau là, hop, donc ça c'est plutôt cool. On nous a mis une brume fixatrice de maquillage et matifiante de la marque Elomant. Alors, je connais pas cette marque, mais je suis trop contente d'avoir une brume avec une bonne compo là comme ça, pour fixer le maquillage. Moi j'ai pas forcément besoin de matiter, mais peut-être que quand il fera très chaud, ça pourra m'éviter... de briller peut-être, et c'est Cosmé Bio. Et pour finir, on a un produit de la marque Eugens, un concentré hyaluronique, donc ça c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est une sorte de sérum? Ouais, sérum qui réveille la peau, donc ça c'est trop cool, en pipette comme ça, un sérum à base de hyaluronique, donc ça c'est cool. Et le dernier produit qui est un produit Charlotte Bio, c'est une marque que vous trouvez chez Auchan et tout ça, je pense, hein. Moi je l'en avais déjà acheté. Et c'est un highlighter. Alors moi j'avais quoi de cette marque là? J'avais acheté un blush, je crois, ou un bronzer, je ne sais plus. Là c'est un highlighter mais il a l'air assez rosé. Hein. Oh il est beau quand même. Il est tout doux, hein. Je sais pas si vous le verrez. Je vais en mettre une couche. Hein. Non. Vous voyez peut-être juste le reflet de la lumière là ici. C'est un rosé très doux, pourquoi pas. Il est plutôt beau donc je vais le tester. Bah écoutez, cette box me plaît beaucoup. Le thème visage avec tout ce qu'il faut pour le visage, de quoi faire une routine quasi complète. J'aime bien. Ça, je l'aurais plutôt mis avec un masque en fait, mais ils l'ont peut-être mis parce qu'il y a un gel nettoyant, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien l'idée de cette box-là, je valide. En tout cas, voilà pour tous mes derniers colis que j'ai reçus. J'espère que ça vous aura plu, on n'hésite pas à liker cette vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous voulez peut-être gagner un petit pochon avec les petits produits que je vais mettre de côté pour vous, n'hésitez pas à mettre le mot turban dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout et... vous mériterez d'être récompensé pour votre assiduité. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette vidéo, évidemment. Et je vous retrouve dans les commentaires. Salut !